Deux salles et un sentiment partagé entre Saint-Gilles et Anderlecht. L'excitation de découvrir son adversaire pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir, sur qui on pourrait tomber ? Nice serait bien, Fiorentina serait bien, l'Italie. D'avoir un tirage avec un beau déplacement, ça serait déjà pas mal. Il est 13h, le tirage de l'Europa League débute. Au Clubhouse de l'Union, on espère une belle affiche. Un beau déplacement au soleil de préférence, Séville ou Rome, ça serait très bien. Ça va y aller. Le soleil s'éloigne, ce ne sera donc pas l'Espagne. Sporting Club de Portugal. Oh non, pas non plus. La tension monte, il ne reste plus que quelques destinations possibles. Ce cri de désespoir, c'est car l'Union affrontera Leverkusen. Cette supportrice aurait bien aimé découvrir un autre pays, mais quoi qu'il arrive, elle sera du voyage. Désolée le boulot, mais je serai en déplacement. Du coup, c'est déjà la troisième fois en quelques mois que vous allez en Allemagne ? Ouais. Bah écoute, jamais 203 comme on dit, donc voilà. L'Union affrontera une nouvelle équipe allemande et ils pourront compter sur les supporters berlinois qui, malgré la défaite d'hier, sont venus bons joueurs assister au tirage au sort. Je dirais que vous allez les battre 2-0 au match retour. Et j'espère que vous allez gagner le titre à la fin. À 15h, le couperet tombe pour la Conference League. Le RSCA sera opposé aux Néerlandais de l'AZ Alkmaar. Ça devrait aller. Il n'y a pas de train de déplacement, il y a 300 km en voiture, donc on s'en fout. Hein. On va être des milliers là-bas. Ah là, ça va être chaud cacao. Le Sporting d'Anderlecht recevra l'AZ le 13 avril. Et la semaine suivante, ce sera l'Union qui jouera à nouveau au Lotto Park. Mais après la bonne ambiance de ce jeudi soir, ils seront à nouveau reçus avec le sourire. Ils ont été corrects. J'ai au 15 aussi. Et les gens polis. Il a été toute la soirée en jaune et bleu pour l'Union hier. Il s'est déguisé toute la soirée parce qu'il tourne kazakh, le mec. Et il est pour Lisbonne, il est pour l'Union. Et maintenant, le dernier club pour lui, c'est Anderlecht. Donc, c'est pas vrai. Je suis supporter d'Anderlecht depuis que je suis petit. Et moi, je suis confiant qu'on va battre la Z. Ça, c'est clair. Ça y est, le Paris sportif, on espère rencontrer.